Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Donc, à notre niveau, nous avons essayé de lancer, de nous organiser pour mobiliser auprès des citoyens. Nous continuons à mobiliser les ressources, mais aujourd'hui, nous avons jugé bon de venir, compte tenu de l'ampleur de la pandémie, de venir remettre symboliquement ce que nous avons collecté aux responsables de Saint-Fort en vue de les encourager à continuer la lutte, le temps de continuer par oublier des ressources. Donc ce soir, nous sommes venus avec une somme de 1 500 pour permettre à Saint-Fort de continuer la lutte. Nous savons que ce n'est pas suffisant, mais nous allons toujours continuer par oublier des ressources. Et continuer pas de soutenir. Donc, au nom du comité, nous tenons vraiment à remercier et à féliciter les responsables de ces Saint-Fort pour ce qu'ils sont en train de faire. Parce que c'est une guerre. Et c'est eux qui sont nos militaires, nos combattants maintenant. C'est eux qui sont au front. Et c'est ensemble que nous devons les soutenir dans cette nouvelle mission. Donc, voilà ce que nous sommes venus faire ce soir ici au siège de Saint-Fort. Donc, au nom de mes collègues ici, au nom de tous les membres du comité de pilotage de l'initiative Solidarité citoyenne COVID-19 au Togo, nous remettons ce don de 1 500. Voilà, un appel de fonds. Aujourd'hui, vous avez totalisé 1 500. Comment se fait le travail sur le terrain? Et pourquoi avez-vous décidé d'apporter ces fonds à Saint-Fort? Bon, oui, comme vous le savez, suite à l'appel de Saint-Fort, nous, en tant que citoyens, nous sommes organisés autour d'une initiative dénommée Solidarité citoyenne COVID-19 Togo. Donc, c'est une initiative qui nous a permis de communiquer, de lancer cet appel citoyen pour permettre aux citoyens de faire des gestes. Donc, suite à notre appel, nous avons mobilisé une somme. Nous ne sommes pas une somme, donc nous ne continuons pas à mobiliser. Mais vu l'évolution de la pandémie, nous avons jugé opportun de venir aujourd'hui pour remettre ce que nous avons, une partie de ce que nous avons collecté au Saint-Fort, étant donné que nous avons 3 volets d'intervention. Nous avons le volet sensibilisation, action sociale et puis volet médical. Donc nous sommes venus ce soir remettre 1 500 au nom du comité de pilotage de l'initiative Solidarité citoyenne COVID-19 pour responsable de Saint-Fort à leur siège ici à Benoît. Donc c'est un don qui leur permettra d'acquérir certains matériels devant leur permettre de continuer leur travail sur le terrain. Comme vous le savez, nous sommes en guerre. C'est avec qui sont nos combattants, c'est avec qui sont les agents au fond. Donc s'ils n'ont pas de matériel approprié pour leur travail, ils seront démotivés. Donc nous sommes venus vraiment les encourager à continuer. Nous aussi, à notre niveau, nous allons toujours continuer par mobiliser des ressources et venir en appui toujours à leurs efforts. Donc c'est juste le premier geste et nous allons continuer les actions de soutien dans les jours à venir. Vous êtes directeur exécutif de l'ONG IGB. Aujourd'hui, je suis le chargé des affaires sociales au sein du comité de pilotage de l'initiative Solidarité citoyenne COVID-19 Togo. Alors, le nom Pascal Dagouré. Avec toi, Pascal Dagouré. Donc, il disait que nous venons de recevoir, le comité de pilotage de l'initiative Solidarité citoyenne COVID-19 Togo. Et ils sont venus avec une enveloppe d'1 500 000 pour que le Saint-Fort puisse s'approvisionner en matériel, de protection individuelle pour le personnel soignant. Et vous n'êtes pas sans savoir que dans cette riposte contre cette pandémie, les agents de santé que nous sommes en première ligne. C'est nous qui constituons les soldats qui vont aller à cette guerre-là. Et nous saluons cette initiative et nous encourageons la bonne volonté
à emboîter le pas de ces citoyens pour venir nous appuyer, nous encourager. C'est parce que le besoin est grand sur le terrain. C'est vrai, le gouvernement fait des efforts, mais cela est toujours insuffisant. Vous n'êtes pas sans savoir que le lundi passé, le gouvernement a envoyé du matériel et des ressources dans au total 9 formations sanitaires et directions régionales de la santé. Et sans vous mentir, moi je suis sur le terrain, c'était une goutte d'eau dans le désert. Et donc le besoin est grand. Nous avons besoin qu'on nous appuie et pour que nous puissions protéger nous-mêmes, protéger nos concitoyens et nos familles. Cela constitue, comme l'a dit quelqu'un ce matin, l'instinct de survie. Nous sommes dedans, tout le monde est dedans et chacun est appelé à faire quelque chose. Je vous remercie. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.